Et bim les Gaulois, j'espère que vous avez bien solfé. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Dark Souls 3. Donc on se retrouve au Bastion de Pharion, juste après avoir vaincu donc le mec de la Cathédrale des Profondeurs. Vous voyez, je vous montre, j'ai débloqué quelques trucs parce que du coup j'ai un petit peu farfouillé dans la Cathédrale des Profondeurs. Où c'est qu'elle, voilà, j'ai débloqué notamment la Chambre de Rosaria. Donc voilà, c'est que ça permet de prêter allégeance à un serment. J'ai changé mon arme droite aussi, j'ai pris l'épée droite d'Irithyll, je crois. Je dis pas de conneries, épée droite d'Irithyll, voilà, que j'ai monté en plus 2. Parce que tout simplement dans les effets supplémentaires, effets... Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Éteignez les trois flammes, voyez, et ouvrez la porte menant au sang du loup. Voilà. Donc là, on va faire vraiment tout le tour et je vais vous montrer, voyez, les dégâts. Les dégâts de mon épée qui sont franchement pas mal du tout. Merde. Ok, alors, ça commence ici. Masque anti-suite déchiré. Ok, donc ça commence par de la merde. Voilà, et voyez, donc dans cette zone, dès que vous marchez là, hop là, bim, le poison dans la gueule. Par contre, du coup, amélioration des dégâts, résistance au poison, voilà. Je vais m'équiper de ça, on va voir ce que ça donne, si c'est un peu mieux ou pas. Ou sinon, bon, ouais, ça, ouais, si, ça améliore un petit peu. Fragment de titanite, d'accord. Alors là, il y a une espèce de, je sais pas trop quoi... Ok. Alors vraiment honnêtement, je me rappelle plus du tout des zones ou quoi que ce soit où sont les feux. Alors là il y a un objet, là il y a un objet, là il y a un objet. Allez, on va commencer ici tranquillement. De toute façon, on va se faire empoisonner, ça c'est sûr. Voilà, aussi hein, j'ai mon... Oh, fragment d'excuse, oh, super, génial. Vous voyez, hein, j'ai aussi augmenté donc un petit peu de niveau, j'ai augmenté un petit peu tout, mais principalement la vitalité qui est vraiment mon gros point faible, je pense, actuellement. Ok, alors ensuite ici, on est à tiers quoi? Des prismes, ok, d'accord. Alors là, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'objet. Je vais fouiller vraiment un peu partout pour voir, essayer de trouver le plus d'objets possible. Voilà, ça va, même avec le poison, là pour l'instant, on perd pas trop de vie. Non. Faites pas des conneries comme ça les gars. Là il y a un objet. Résine de pain pourri. Ok, donc ça c'est pour je crois infliger des dégâts. Non, c'est qui toi? Waouh. Non, c'est raté. Petite fiole. C'est quoi ça? C'est un espèce de bouclier ça? Ouais, c'est complètement un bouclier. Ok. Merde, trop tôt, trop tôt, trop tôt. Petite fiole, petite fiole, petite fiole. Ah, tes conneries. J'ai eu de la chatte, j'ai eu de la chatte. Bon, là, j'ai pas eu de chatte. Oui, ok, vaincu. Épée des ténèbres, œuf d'œil rouge fissuré. Alors, voyons voir, épée des ténèbres. Je suis curieux de voir ce que c'est. Alors, épée des ténèbres. 110 plus 33, bonus d'attribut. Ouais, 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 bon, on s'en fout. C'est de la merde. Alors. Pas des trucs qui vont me tomber sur la gueule, là. Non. C'est bon, ok, très bien. Anthracite de sage. Ah, bah ça, c'est bon, ça. Bon, même si en vrai, anthracite de sage, à mon avis, c'est sûrement pour la magie. Mais comme je suis pas du tout sur un build de magie, ça ne sera pas utile. Mais c'est toujours bien de débloquer des petites choses. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des objets qui traîneraient dans le coin? Là où il y a un objet. Là-bas aussi. On va d'abord aller là-bas. Récupérer cet objet. Hop là! Ah putain, c'est vrai, il y a ces trucs de merde là. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Putain, je déteste ces espèces d'enculés de leur mort. Ah putain. Bon bah voilà, première mort de la vidéo. Ce sera pas la dernière, hein. Ça c'est déjà garanti d'avance. J'essaie vraiment, j'aimerais vraiment dans cette vidéo faire les trois torches, éteindre les trois torches. Même si je sais que ça va être quand même franchement compliqué. Donc là, bon, là on va éviter de se retaper tout le chemin. On va essayer de faire un petit chouille plus vite du coup, parce que on va essayer de retourner là, exactement là où on était. Alors là, tout ça, on s'en fout, il n'y a pas d'intérêt.
Et je me demande même si je me mettrais pas sur un build. Enfin sur un build. Eh, on peut monter là? Ah bah attendez, mais ça j'avais pas vu ça tout à l'heure. Ah voilà, d'accord. Ok, et donc là, si je dis pas de conneries. Alors ça faut en faire gaffe. Voilà, trois coups, c'est très très bien. Alors ça, attention à cette merde là. 2, 3 coups. Voilà, et donc c'est ces trucs là qu'on éteint. Voilà, éteindre la flamme. Oh bah super, nickel, bah ça allait vite du coup. Petite cinématique. Et donc voilà, le premier feu qui s'éteint. Très bien. Donc il reste les trois autres, on peut en voir un peu plus loin dans le fond et l'autre. Et ben on se démerdera pour le trouver. Voilà, c'est ça, les trois vases après qui prennent feu et qui vont ouvrir la porte. Ok. Très bien. Que voilà, ce sera sans doute la zone suivante, je présume. D'accord, donc là on est pas mal. Là qu'est-ce qui a marqué? Éteignez les trois flammes et ouvrez la porte maintenant au saut du loup. Bah c'est ce qui avait marqué tout à l'heure. Alors. Bizarre, je sens un piège là. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3. C'est bon, ça l'a fait. Très bien. On prend l'objet. Résine de pain pourri. Ok. Je vais redescendre de ce côté-là, du coup, parce que je pense que je devais sensiblement me situer par là-bas, à l'origine. Alors là-bas, il y a un objet. Ah, voilà, elles sont là-bas, mes âmes. Et là, il y a une espèce de catin des Alpes. 2, non! Mais non! Non, 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 pas deux fois, pas deux fois, pas deux fois, pas deux fois, je veux résister, je veux survivre. Ok, santé, santé, santé. Pourquoi il est en rouge, j'en sais rien. Tu prends un peu de feu. Ok, alors ça, je sens que ça va être les ennemis qui vont me casser les couilles. Ça, c'est clair et net. C'est garanti. Ok, les âmes qui sont récupérées. Et un fragment de titanite. Et en plus... Et en plus, j'étais juste là. Donc là, normalement, il devrait y avoir un deuxième feu, si je dis pas de conneries. Non? Oh, bah oui. Si, non, carrément. Ouais, c'est bien, bonne défense. Merde. 1, 2, 3... Ok, bon, il y a peut-être un petit décalage, hein, enfin, du moins, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre le son et l'écran. Tout de l'échelle violet. Ok, très bien. On éteint la deuxième flamme. Très bien, pour l'instant, très bien, ça me va. Y a pas de souci pour l'instant, c'est très très bien. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Alors vous en faites pas, hein, je vais faire vraiment tout le tour du marais, si jamais là j'ai déjà raté des trucs, ce qui est possible. Deuxième flamme, voilà. Est-ce que ça va commencer à un peu ouvrir les portes? Non. Non, c'est pas grave. Ok, plus qu'une... Alors, par contre, est-ce que je vais là derrière voir... Allez, je vais voir derrière ce qu'il y a, quoi. Jamais, j'ai pas envie de rater trop de choses. Là, y a rien. Ok. Belle zone inutile, y a absolument rien. Ok, là y a trois mecs, mais y a un feu. On va essayer d'aller choper le feu comme ça. Si jamais on crève, au moins. Ouais, par contre, là, si les mecs s'ils viennent à 3 sur moi, je vais être mal. Waouh. Fiole.
Voilà, ok, un de moins. Un de moins, plus que deux. Alors. À part me cracher tes vapeurs à la gueule, est-ce que tu sais faire autre chose? Bon, tant pis, je passe. Wow, grosse prise de risque, ça a fonctionné. Oh, nickel. On va allumer le feu, on va pas se reposer parce que si on se repose, on fait revivre les ennemis. Mais au moins, on pourra se transporter ici. Ce qui fera un peu, ce qui sera peut-être un petit peu plus simple. Alors, je sais pas s'il y a des ennemis, j'ai pas l'impression... Enfin, des objets, pardon, j'ai pas l'impression. Est-ce que là, il n'y a pas un truc à faire, non, pour aller là-haut? Non, il n'y a rien. Ah d'accord, ok, et la porte qui est juste là. D'accord. Alors là, bon, il y a un, il y en a deux. Waouh. Donc là, on va aller explorer un petit peu la zone sur la gauche. Même s'il y a l'objet sur la droite. On va d'abord faire côté gauche, on fait stratégique côté par côté. Tout en essayant de ne pas crever. Ok, deux coups, c'est très bien. Ça me va. C'est idéal. Voilà, ok, nickel, c'est pas mal. Il y a des crabes, bon, ça, ça fait chier, mais c'est pas encore trop catastrophique. Ah, aussi, comme ça, là. Crever. Hey, mais c'est bon, j'ai déjà pris une douche ce matin, ça ira faire. Hein. La fiole, la fiole, la fiole, ok. Voilà, on l'a fait, nickel, c'est bien joué. Anneau draconique éternel, grand âme de voyageur inconnu. Alors, je vais regarder... Ah, je vais regarder maintenant, moi je suis un dingue. Alors, anneau draconique éternel, c'était ça, prolonge la durée d'effet des sorts. Ok, bah les couilles, c'est pas pour moi. Paquet de pain doré, oh oui, ça par contre, ça c'est clairement pour moi. Putain, il y a plein d'objets dans cette zone, c'est énorme. Alors, braise, très bien. Âme de soldat anonyme, ok. Jeune branche blanche, ok. Et couronne de brunante, c'est quoi ça? Ça va être où? Ils vont leur mettre ça dans les casques. Ouais, couronne de brunante. Magie moins 30. C'est quoi l'intérêt? C'est la merde comme objet. Bon, puis ça, je peux pas le cacher. Casser. Et bah, puis le dernier objet aussi, c'est en option. Ok. Alors, on va quand même regarder un petit peu dans la zone si on n'a pas oublié d'objets. Mais je ne pense pas. Mais j'en vois un juste là-bas. Ah si, j'en vois un là-bas aussi. Alors attends, je vais me soigner parce que... Au cas où... Voilà, ça c'est nickel ça. Je regarde un petit peu partout, voir si j'oublie rien. Non, pas de pitié, pas de pitié! Bah, il a pas eu de pitié pour moi non plus, lui. Petite fiole. Ok, parfait. Donc, toi, on sait que t'es là. Vas-y, merde. Voilà. 1, 2, 3 coups, c'est fait. Parchemin de sage. Ok, donc c'est vraiment un truc pour la magie, hein, clairement ici. Là, y a rien d'autre, y a rien d'autre. Ouais frère, alors là autant vous dire, je suis pas serein. Ouais, et là non plus. Bon ok, on va d'abord faire lui. Ok. C'est chier parce que j'aurais bien été chercher l'objet là-bas. Mais ça, à mon avis... Ouais, 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 ouais. Mon avis est bon.
Ça pue de la gueule, ça. Ah, tant pis, je prends tous les risques. Je prends tous les risques parce que si c'est un putain d'objet, ça se trouve c'est de la merde. Une gemme empoisonnée, putain. Tout ça pour une gemme empoisonnée de mes couilles. Vas-y, rejette-toi, 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 frère. Maintenant, tape le meilleur sprint de ta vie. Hein. Ok, c'est bon, on est sauvés, les gars. Eh, mais t'as pris des dégâts, toi, mon cochon. Est-ce que j'irais pas lui péter la gueule maintenant qu'il a pris un peu de dégâts? Où sont les autres? Les autres sont loin. T'es tout seul, frère, t'as la moitié de ta life. J'ai deux fioles. Et moi, je suis, vous savez quoi, je suis un dingue, je tente. Ok, on l'a fait. Chapeau de Faris. Non, par contre. Ouais, par contre, faut arrêter ça. Hein. Et là-haut, il y a un objet là-haut. J'ai envie d'aller le chercher. Par contre, j'ai plus qu'une fiole. Ah, il y a un objet là aussi. Ça va pas, on a bien fait de faire le tour. Fragment de titanite. Alors, j'ai vu un mec là, j'ai vu un mec là. Mais je me dis peut-être qu'avec deux. Oh putain, en plus, c'est une zone de merde là. Je peux pas faire d'esquive. Ok, parfait. On va aller là-haut, on va attendre les ennemis là-haut, je pense. Espadon, ok. Et ils sont pas venus. Et il y en a un autre objet juste en face de nous. Ça part sur un run? Allez, run. Ok. Tout feu de lichen violet. Ok, alors là par contre, je ne sais plus du tout d'où je viens. Et quelle zone j'ai fait et quelle zone je n'ai pas fait. Quoique si, la zone de là-bas, c'est la zone d'où je viens, donc... C'est forcément une zone que j'ai faite, et là-bas, je l'ai forcément pas faite, vu qu'il y a un objet. Ok, alors... Par contre, là, il y a un ennemi tout droit devant... Il y en a deux autres là-bas. Il y a un gros monstre là-bas. Oh, mais elle est infâme, cette zone. Sans déconner, c'est la pire zone du jeu. C'est pas possible. Je pars du principe que si je les regarde pas, ils me regardent pas. Non, bah c'est raté. Ok. Waouh! Par contre, toi, c'était pas prévu que tu viennes, frère. Par contre, là, si je perds mes âmes, je sais pas où je suis. Et j'ai plus de vie. Dégage-le-là, 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 fragment de titanite, ok. Ok, récupération. Ah, tant pis, hein. Putain, alors si j'arrive à survivre à tout ça, c'est un putain de miracle, les gars. Fragment de titanite, ok. Non, 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 non. Tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Là, 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 c'est, là, là, on peut monter, là, on peut monter. S'il te plaît, faites que c'est une zone que j'ai déjà faite. Parce que sinon, je suis dans la merde. Putain, je l'ai pas faite. Hé, hey, t'es bloqué? Dans ton cul? Non, t'es bloqué, t'es bloqué. Non, vas-y, pas bloqué, visiblement. Ah, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, j'active la troisième flamme. Est-ce qu'avec de la chance, il va dépop de là? J'y crois absolument pas. Mais au moins, j'ai ouvert la porte. Putain. Par contre, si je perds, je crois que je vais avoir 15 000 âmes, là. Là, je vais crever, de toute façon. J'ai plus de vie, je vais être empoisonné. Je vais forcément crever. En plus, je sais pas où est le feu. Ah, il faudrait que j'utilise un os du retour. Ça serait pas con, ça. Ça serait pas con, ça. Ça serait même limite intelligent. Ah putain. Oh putain. Je sais où ça nous mène, cette zone. Ouais, je vais pas aimer. Ah, je vous le dis, je sais. Et bah ouais, évidemment qu'il a pas des pop. Putain, on rush. Si on a de la chance. Utilisez, dernier feu, utilisez.
NON! Ah, cet échec du cul! Ah, j'avais espéré, j'avais, franchement, non, je vous le dis, hein, j'avais espéré l'invincibilité pendant que j'utilisais l'os du retour. Ah, je suis déçu, putain. Oh, merde. Bastion de Pharaon, bah ouais, du coup, on réapparaît là avec tous les ennemis, et du coup, bah, je sais pas où j'étais. Ah, super, fichier de mise à jour de Fortnite, rien à foutre. Ok, donc du coup, ça a ouvert la porte droit devant. Alors, je pense que j'étais quand même un peu plus sur la droite, mais en même temps, je suis pas sûr. Il n'y avait pas des objets là en dessous, c'est ça. Oh, c'est pas grave, on avait juste 15 000 âmes. Hein, 14 666 âmes. C'est pas grave. Dégoûté. Alors, par contre, tu peux tomber la limace. Voilà. Wow, 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 on se calme. C'est quoi, c'est limace de mes couilles là? C'est quoi, c'est la réunion des limaces ou quoi? Mais qui c'est qui a encore envie là? Dégage! Fragment d'os de mort-vivant! Mais c'est parfait ça! Oh, c'est top! Alors, il y a la zone là-bas, il y a pas mal d'objets, j'aimerais bien les voir. Plus l'escalier là. Bon, on va déjà éliminer ça. Voilà, ok. Donc ça, c'est éliminé. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Parce que, quand même, j'aurais bien récupéré mes âmes. Parce que 15 000 âmes, ça me ferait chier de les perdre. Et du coup, on a réussi l'objectif de la vidéo, qui était d'éteindre les trois feux. C'est plutôt bien fait. Bon, avec quelques morts. Mais de toute façon, ça, je vous avais prévenu hein, qu'il y aurait des morts, cet objet. Ouah, ouais, stylé. Ah ouais. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire ici? Un escalier. Oh oui! Non! Oui, on l'a eu? Ouais, yes, titanite scintillante. Parfait, ça pour les âmes. C'est très bien. Ok. Cendre de rêveur. Ouais, et puis ça c'est... Ouais, ça je suppose que c'est un loup qui n'est pas réellement mort. Bon, après on a 9 fioles de santé. Oh, quoi que si, il y a un feu. Vas-y, tranquille, allume le feu, t'es tous. Prier au vieux loup de Pharaon. Ah, bah c'est ça, d'accord, ok, étiquette de la Légion. Se proposer de prêter serment, prêter serment au vieux loup de Pharaon. Y'a pas de souci, guetteur de Pharaon. D'accord. Et on obtient le trophée serment guetteur de Pharaon. Vous obtenez la preuve du serment, ok. Offrir verte lame du sang de loup. Pas de verte lame du sang de loup. Ah, c'est dommage. Ça, je sais pas où ça se chope, alors... je sais pas où on peut avoir du sang de verte lame. Donc si vous savez, hein, n'hésitez pas à me le dire. Alors... Ensuite, on monte. J'adore ça. Ah, par contre, ça là-bas, j'aime beaucoup moins déjà. Ça m'appelle quelque chose, ça. Non. Non, c'est moi qui arrive. J'ai cru que je connaissais déjà un peu la zone, mais en fait, pas du tout. Ok. Bon. On a 9 fioles de santé. Waouh, la portée qu'il a le bâtard. Ok. 2, 3, 4 coups. Ok, esquivant les jambes. 2, 3, 4 coups. Non. Quel ça? Aïe, on a pris une bonne tarte là dans la gueule. Ok, tout de suite la piole. Pas obligé de me vomir à la gueule par contre, frère. Okay, reprends une fiole, reprends une fiole, on fait pas le coup. Wow.
Non, frère, j'ai pris une roulade, j'ai pris une roulade. C'est pas grave, je gaspille peut-être un peu les fioles. Mais je crois qu'il n'y aura pas d'autres ennemis dans la zone. Âme d'un démon vagabond. Oh yes. Et une grande hache dans les petits objets. Parfait, ça. Fouiller le cadavre, on obtient une braise. Ok, donc c'était l'âme d'un démon vagabond. Et là, une braise aussi. Alors, par contre, on va voir au niveau de l'inventaire, l'âme d'un démon vagabond. Une âme d'exception particulièrement puissante. Ah, alors peut-être que ça, c'est une âme qu'on peut peut-être amener au foyer de transposition. J'essaierai ça. Je vais essayer ça, mais je voudrais quand même récupérer mes 15 000 âmes que j'ai perdues avant. Et je vais voir si à la porte là-bas, là, on peut pas l'ouvrir. Attends, il y a forcément, il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte. À moins que ce soit un DLC. Parce que là, vu que j'ai pas pris les DLC, bah, ça marche pas. Ah, quoique, non. Non, non. Alors là, ça marche par une roulade? Ça marche par une roulade, ok. Une roulade? Une roulade, ok. Par contre, j'ai complètement oublié de regarder derrière moi s'il y avait des objets. Donc je suis désolé. Oh putain! Dis-moi pas que c'est un dragon là-bas. Dis-moi pas qu'il va falloir que je fight un putain de dragon. Oh putain! Ouais, alors j'ai vu la petite bestiole. Ouais, mais j'ai vu celle-là aussi. Et celle-là, elle est plus importante parce qu'elle est plus proche. Voilà, ok. Une gemme lourde. Très bien. Non. On peut pas le frapper. Ok, d'accord. On va venir éliminer ça. Parce que... j'ai aucune confiance dans les mecs qui me tournent le dos. D'accord, donc là... rien, là on peut monter. Toi, tu te tais, tu dégages. Ok, bon, ça a activé les autres guignols là-bas. C'est pas très très grave. Et là, il n'y a rien. D'accord, donc là je suppose c'est pour redescendre plus vite. Enfin non, c'est juste pour redescendre en fait, tout simplement. Si on réussit à faire le dragon. Ce qui serait vraiment très bien. Enfin du moins si j'affronte véritablement le dragon, mais je pense que je vais affronter le dragon. Bon ok, allez. Non, frère ! C'est pas ça les crèves. C'est pas chier, putain. Par là-haut. Donc là, la petite luciole bleue, je l'ai vue, mais elle se dirige droit vers le dragon. Ah, les deux se dirigent vers le dragon. Putain, j'espère qu'il est mort. Hein. Putain, je sais pas pourquoi. J'ai moins envie de faire le saut. Moi. Bon, j'y arriverai pas. Vas-y, tant pis, on tombe comme ça. Oh, ouais, nickel, elle est partie là. Nickel. En fragment de titanite. Ah, j'ai tellement pas confiance. Quoique, j'ai pas l'impression de pouvoir le verrouiller. Non, je peux pas le verrouiller. 3. Quel grand fragment de titanite. Et les lances de foudre on obtient, d'accord. Ça, on est d'accord. Ouais, on peut vraiment pas le taper. Ah, ok. Bon, bah, j'ai flippé pour rien, autant pour moi. Et donc là, après, il n'y a plus rien comme zone. Wouh! Putain, ce soulagement. C'est génial. Alors là, qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, par là, c'est là d'où on vient. Je suis con. Mais je suis con. Nickel. Bon, bah, du coup, on a 5 fioles. Je vais me regêne quand même. Bah, tiens, toi, je t'ai pas tué tout à l'heure? Non? Oh, bah, je vais tuer maintenant. S'il y a que ça pour faire plaisir, ça peut se faire. Alors, hop, hop, hop. Tout ce que j'espère, c'est que je vais pas. Oh, ah, non, c'est bon. Je vais pas crever en tombant. Ça, c'est positif. Donc là, on est d'accord, il n'y a plus rien à faire dans cette zone. Donc on va pouvoir redescendre. Parfait. Très bien. Pas si mal géré que ça. C'est pas si mal géré que ça.
Hop. On va redescendre, on va aller voir au feu, on va aller se reposer au feu. Et par contre, je vais juste vérifier un petit truc parce que je sais que des fois c'est des salauds, ils font des trucs comme ça. Et ouais, là vous voyez, là on peut redescendre comme ça directement, mais je pense que vu mon niveau, c'est juste la mort pour moi. Ok, on va se reposer, comme ça on récupère toutes nos fioles, c'est très bien. D'accord. Ah ouais, ok, d'accord, donc j'avais fait tout le tour pour pas spécialement grand chose. Donc on va redescendre. Là, par contre du coup forcément on a réactivé les trois larves de mes couilles là. Non mais non. Mais non, mais faites pas ça. Faites pas ça, moi je venais en ami. Je venais en copain moi à la base. Alors y a un objet là-bas, on va aller le voir. Bah, c'est pas mal, on va quand même récupérer un fragment d'estus, un fragment d'os de mort-vivant. Ouais franchement honnêtement je suis content hein. Alors là, il y a un grand truc là-bas, ok. Où c'est que j'ai vu l'objet? Ah, là dans le bois. Très bien. Alors, sur les roulades, je trouve que ça va un petit peu plus vite hein, dans les grandes zones. Enfin, dans les grands. Dans les grandes zones comme ça. Casque de chevalier anonyme, tout ça. D'accord, ok. Bon, tout ça, on verra ça plus tard. Merde, il y a un objet aussi là-bas. Et là, il y a une espèce d'enculé de bâton de mes couilles. Moi je veux aller récupérer l'objet là-bas. Personne dans la zone, personne. Boire la soupe d'Estus. Ok. Talisman solaire. Donc boire la soupe d'Estus, ça va nous permettre de récupérer toute, toute notre santé. Bah il y en a un objet là aussi, putain, Joe l'aveugle, réveille-toi. Verse l'âme du sang de loup. Putain. Ah bah non, vous savez quoi, on ira après. Vu qu'on peut directement se téléporter à l'endroit là-bas, on ira déposer verse l'âme du sang de loup au vieux loup de Pharaon. Donc là, hop, ça c'est très bien. Par contre, putain, je sais pas où sont mes 15 000 âmes. Hein. Je vais pas te mentir, j'en ai pas la moindre idée. Quoique si, j'ai l'impression quand même que je suis venu par là-bas, là-bas. Je pense que je suis allé par là. Ok, là, là, hop, tac, bonne défense. Bonne défense. Toi, un, deux coups, t'es mort. Donc là, il y avait les trois de mes couilles. Et on avait pris à gauche. Putain, j'espère vraiment que je dis pas de conneries. Là, j'avais tapé le run de ma vie. Ok, donc jusque là, ça va, je me suis. Là, il n'y a pas de traces vertes. Hein. Non, par contre, il y a ça. Ok. Ouh, putain, 660 dames. Par contre, ça rapporte. Hein. Waouh. Ok. Ah non, ça nous ramène là. Non, bah, pff, tant pis pour les 15 000 âmes, je sais pas où est son frère. J'ai pas cherché 3 jours, ça va me faire yèche. Est-ce que je peux directement aller au feu? Oui, ils sont reposés près du feu. Parfait, on va aller voyager au vieux loup de Pharaon. Pour aller lui déposer la verte là. Parce que je pense que ça peut être quelque chose de quand même assez intéressant. Et si ça peut nous rapporter quelque chose d'intéressant en plus. Ça serait quand même pas mal. Ça pourrait nous rapporter, je sais pas, un anneau ou une connerie, j'en sais rien. Clé de la tombe. Clé de la porte du tombeau humide sur laquelle on finit par tomber en rapportant les égouts situés sous le camp des morts vivants. Tout ça, on l'a déjà, donc c'est pas très... Alors, prier au vieux loup, offrir la verte lame. On en a qu'une, on l'offre. Est-ce qu'il nous offre quelque chose, lui, en attendant? Votre attachement à votre serment s'est renforcé. Ok, ça nous a fait rien de plus, c'est ça qui est génial. Voyager, ruine du fort,
Non, 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 oh putain, je fais de la merde. C'est pas là que je voulais aller, je voulais aller au sanctuaire de l'Ichefeu pour voir si l'âme géante là qu'on a récupérée en vaquant le gros monstre pouvait nous rapporter ou non quelque chose. Parce que c'est quand même bizarre de nous offrir une grande âme comme ça, si c'est juste pour l'utiliser en truc muche quoi. Bah voilà, vous avez compris, hein, je me suis expliqué comme une merde, mais vous avez compris. Et comme ça, en même temps, je vais aller brûler fragments d'os de mort-vivant et améliorer mes fragments d'estus. Comme ça, au moins, ce sera fait. Pendant que j'y pense, parce que sinon, je suis capable d'oublier. Et ce serait quand même relativement dommage. Alors, on va aller là. Tac. Donc là, c'est pas le premier, c'est le deuxième, c'est lui. Tac. Salut Jojo Lastico. Eh oui, ouais, âme d'un démon vagabond, voilà. Alors, expulsion rocheuse permet de cracher une masse rocheuse, d'accord. Et anneau d'Avel augmente votre charge maximale. Ah, intéressant ça. On va prendre ça. Parce que de toute façon, l'autre, ça voilà, permet de cracher une masse rocheuse. Franchement, non, ça pas les couilles. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Par contre, on a que 3294 d'âmes, donc on va pas pouvoir. Augmenter quoi que ce soit. Alors, renforcer les fioles d'estus. Et donner l'anthracite aussi. Ah oui, l'anthracite de sage. D'accord, ok, c'est lui qu'on la donne. I'd heard one of the crystal sages had sided with Farron's abyss watchers. I suppose that you should know. This cold, hardly a surprise, is it? I've never been. D'accord, ok. Donc là, on est d'accord, j'ai plus de fioles. À louer, on est bien à 10. Tellement bon en fiole. Là, ici, j'ai pas assez de titanite scintillante. Ok, tout ça après, on s'en fout. Et alors, ouais, imprégner l'arme. Donc, moi, mon arme, je peux pas l'imprégner. Et par contre, sur ma hache. Elle est où ma hache que j'avais? Celle-là. Je pouvais l'imprégner d'une quoi? D'une gemme lourde, gemme tranchante, gemme raffinée, gemme brute, gemme cristalline. Ah ouais, mais alors là, par contre, faudrait avoir. Ça nous ferait des dégâts de magie, mais. Vas-y, nous on est tellement une quiche en magie qu'on s'en bat les couilles. Gemme de feu, ça enlève tous les bonus. La gemme bénite. Ah ouais, ça augmenterait la foi, mais ça nous ferait régresser en force. Donc il n'y aurait pas trop d'intérêt. La gemme abyssale, c'est pour les ténèbres, on s'en fout. Et la gemme empoisonnée, ça nous ferait perdre en force physique. Et ça ferait des dégâts d'empoisonnement. Ouais. Pas trop d'intérêt. Pour l'instant, pas trop d'intérêt. Je vais aller voir lui, il a pas un truc à me donner, non? On va voir, acheter objet. Est-ce que t'as des choses intéressantes? Bon, t'as les bresses, ça c'est toujours intéressant. Une foudroyante, ok. Capuchon, les trucs, on s'en bat les couilles. Ok, bon bah le reste, on s'en branle. On va aller renforcer. Gaining admission to the inside their keep, snuffing out even a cursed undead. Want time? Oui, oui ben on l'a fait, on l'a fait. Gaining admission in even a crime. D'accord, ok, bon, bah, par juste nous dire ça. Ils sont fous, se reposer près du feu. Le fragment d'os de mort-vivant. Voilà, nickel. Et ruine du fort, du coup, cette fois-ci. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Moi, je veux bien découvrir un petit peu la prochaine zone et trouver au moins un nouveau feu pour voir un petit peu ce que ça donne avant le boss. Parce que je sais que bientôt il y aura un boss qui est un des boss que je déteste le plus dans le jeu, qui est le Veilleur des Abysses. Qui est un de ceux que je déteste le plus, si ce n'est peut-être celui que je déteste le plus avec le, je crois que c'est le Grand Maître Sullivan qui est beaucoup plus tard. Mais que je déteste tout autant. D'accord, ok. Donc là, on va changer la zone. Améliore la résistance au poison. Donc, améliore votre charge maximale. Ah oui, ratio poids, on descend à 57,5. Ah, mais ouais, mais attends, mais ça change tout ça, frère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, l'absorption des dégâts de feu, reste enseignement, forme de miracle, pyromancie, les sorts. Améliore les attaques de feu mais réduit la défense. Réduire la charge d'équipement, améliore les attaques physiques. Ok, réduire le temps d'incantation.
En vrai, cet anneau-là est pas mal. Améliore votre charge maximale, c'est pas mal parce que ça peut peut-être me permettre de changer un petit peu de d'équipement. Il n'y a pas grand-chose, j'ai pas grand-chose par contre de bien en termes d'équipement. Si j'ai, alors là, je suis à quoi? 16, l'armure de mercenaire qui est un petit chouille mieux. Ouais, c'est vraiment un petit chouille. Hein. On sait que l'armure de mercenaire elle est un peu mieux. Ah voilà, l'armure de chevalier de la cathédrale qui est mieux, mais par contre qui est. Waouh! Bon, après, par contre, je remonte qu'à 66, donc on va voir. Eh, ça reste pas mal. Ça reste pas mal. On va partir comme ça pour l'instant et on va voir ce que ça donne un petit peu plus tard. Ok. On va d'abord commencer par monter pour voir un petit peu la hauteur s'il y a du monde. Eh ben, s'il y a du monde, il y a lui déjà. Ah bah non, frère, si je tombe, tombe. Ah ouais! Ils sont vénères, hein! Eh oh! Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Putain, je suis dans un tracteur, je suis dans un tracteur! Je suis dans un tracteur! Je peux pas bouger! Waouh! Ils sont vénères dans la zone! Waouh! C'est pas sympa de faire des choses comme ça! Ah ouais! Ah, c'est quand même grave vénère! Mais j'y retourne, oui, je suis un dingue! Ah, je suis un dingue, tant pis! C'est pas grave! Ah ouais, mais putain, je me suis fait retrouver! En fait, je me suis retrouvé complètement bloqué et je pouvais plus bouger! Je pouvais plus faire de roulade, je pouvais plus rien faire, donc forcément, bah derrière, c'est compliqué quoi! Logique! Alors là, on peut voir les âmes où je suis tombé. Je suis mort. Ouais, donc tous les cons qui sont là, par contre, l'autre enculé là qui est tombé et j'ai pas pu le tuer. Sinon, ça aurait pas activé les autres, j'aurais été bien. Voilà. Ça va te calmer 2 minutes, mon gars. Alors, est-ce qu'il y en a un sur qui je peux tomber au moins? Je vais essayer de tomber sur lui avec peut-être un petit saut. Pas du tout. Ok. Est-ce que je peux réussir à faire un backstab une fois dans ma vie, quoi, s'il vous plaît? Non? Visiblement non. Alors, on va récupérer les armes. Je sais pas pourquoi ça a pas voulu me le verrouiller. Alors, ok, fouiller le cadavre, pierre de confession. D'accord. En plus de mémoire, il y a un feu qui est pas hyper loin. Je sais plus où il est. Ok, donc là c'est la zone. Oh, yeah, ça, c'est la... Ah merde, vous voyez, j'ai raté un objet dans la zone. Voilà. Bon, tant pis. Tant pis, j'y retournerai en off au pire. Oh putain, non. La porte du boss, elle est là-bas. Ah ouais, mais là, je sais que c'est le boss là-bas. Et je sais que je vais en chier ma race. Y a pas genre... Je crois que c'est par ici. Oh, c'est par ici. C'est exactement ici qu'il y a un feu. J'ai 4600 âmes. C'est pas beaucoup. Mais 44 minutes. Vous savez quoi? Ah, je suis un dingue. Je fais un essai pour vous. J'y arrive du premier coup, ce qui est impossible, ce sera génial. Et sinon, bah, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc, par contre, je vous le dis, ça va pas être beau, mais je rush. Hein. Tant pis. Ok, on ouvre. Et voici le veilleur des abysses. L'ennemi que je redoutais tant. Depuis le début de la game. Le voilà. Donc je vous le dis honnêtement, je pense que j'y arriverai pas first try.
Mais on va tout donner. Hein. En fait, là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais je suis en stress. Hein, je suis en stress. Parce que je sais que je l'aime pas celui-là. Je sais que je vais tellement galérer. Par contre, il est stylé. Faut avouer, par contre, le design des personnages est over stylé. J'adore. Quand tu veux le jeu. Okay. Alors là, attention, là, attention, attention! Ok, par contre, on fait des bons dégâts! Ça, c'est déjà une première bonne chose. Oh merde! Ah putain, il y en a un deuxième, 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 nique ta mère. Faut d'abord que je le pète lui. Merde. Ah putain, je vais pas y arriver. Ok, petite fiole, petite fiole. Voilà pourquoi je déteste le meilleur des amis. Je déteste littéralement ce personnage. Et voilà, vous voyez pourquoi il est hyper, hyper dur à battre. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like, partager la vidéo, activer la cloche, ça vous prend 10 secondes et ça nous aide grandement. Et puis bah, moi, je vous dis à très très vite pour la suite de notre aventure sur Dark Souls 3. Allez. Ciao.